Dans le Lot, et donc ma forge s'appelle la forge aux fleurs de l'âme, L-A-M, parce que je m'appelle, mon nom de famille c'est Lamiel, donc c'est le diminutif de Lamiel, mais c'est aussi les fleurs de l'âme, la lame de couteau, oui. Et puis les fleurs de l'âme, ça correspond aussi à mon poinçon, c'est en fait c'est la graine de vie. Donc un petit peu comme la fleur de vie. Ah, c'est pas la fleur de vie, c'est voilà, la graine de vie. Voilà, c'est en plus petit, c'est la graine de vie. D'accord. Et puis dessous, c'est un lotus. Donc c'est un rapport à mes voyages en Asie. D'accord. Un petit clin d'œil, quoi. D'accord. Voilà, ben moi en fait j'étais pâtissier et chef pâtissier par la suite. Donc pendant 20 ans j'étais pâtissier. Et puis bon, je travaillais dans des hôtels 4 étoiles, je faisais les saisons, j'ai travaillé aussi à Saint-Barth, j'ai beaucoup voyagé en fait avec mon métier. Et puis c'est vrai que le rythme du travail, les horaires, c'est un peu un rythme de fou, très intense. Après, c'est un très beau métier, mais je me voyais pas à 50 ans être dans ce métier-là, enfin continuer là-dedans. Donc j'ai fait la belle partie de ma vie de pâtissier, et puis je voulais me reconvertir dans un autre métier qui me touche, qui me passionne, quoi. Et puis en fait, à travers mes voyages en Asie, surtout en Asie du Sud-Est, au Laos, au Vietnam, en Thaïlande. J'ai vu pas mal de forgerons, beaucoup d'artisans en fait. Et puis un jour j'ai vu un forgeron qui faisait de très jolis couteaux. Et puis j'en achetais en fait. J'achetais des couteaux chez ce forgeron que je revendais aux cuisiniers. Donc c'était des très bons couteaux qui marchaient très bien et puis à des prix corrects. Et puis c'est de là qu'est venue mon idée de devenir forgeron. Par la suite, j'ai rencontré un forgeron vietnamien en France, donc qui forge à la vietnamienne, donc avec des marteaux plus lourds, une enclume plus basse, donc qui forge avec tout le corps aussi, au lieu de forger tout droit avec un petit marteau et puis forger qu'avec l'épaule qui nous fait des tendinites. Oui.
Là, on forge vraiment avec tout le corps, quoi. Ah, ça c'est intéressant. Voilà. Et puis, donc c'est très très efficace. C'est comme un martial, presque. Pratiquement, ouais. Ouais, ouais. On a vraiment une tenue, une posture très atypique, quoi. Et puis, j'ai fait ce stage dans le Tarn-et-Garonne avec Vin Le Cao, ce Vietnamien. Et j'ai fait 3 stages d'une semaine chez lui. Mais il a appris de A à Z, enfin de A à Z, toutes les bases, on va dire, de la forge, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre dans ce métier, comme dans tous, je pense. Oui. Et puis voilà, de là est partie l'histoire. Et puis moi, je me suis acheté une forge. Ça fait combien de temps que tu fais ça alors? Alors là, ça fait 3 ans maintenant, pratiquement 3 ans. Donc ça fait pas très longtemps, mais c'est vraiment un métier qui est très addictif. T'as trouvé une passion donc. Ouais, complètement. Super. Ouais, c'est vraiment génial. Ouais. Malgré la difficulté. De voir bouger la matière. Oui. C'est aussi une forme d'alchimie parce qu'on transforme la matière. Donc il y a aussi cette passion de transformer la matière, quoi. On ne fait pas que la chauffer, quoi. Il se passe des choses dans l'acier. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, les grains d'acier, quand on chauffe l'acier, le grain grossit. Donc ça, en refroidissant, ça va fragiliser l'acier. Donc après, avec des températures, ce qu'on appelle la normalisation, on va resserrer ces grains d'acier pour qu'ils retrouvent sa structure originelle. Et puis après, au moment de la trempe, on va durcir l'acier vraiment très très dur. Par contre, juste après la trempe, il va être cassant presque comme du verre. Si on le fait tomber par terre, il va casser en petits morceaux. Et après, une fois qu'il a été trempé et qu'il est sorti trempé, de cette zone de dureté de extrême et de fragilité, oui. En fait, on le réchauffe à 200-220 degrés à peu près. Et on a une couleur. Alors, la couleur, c'est souvent jaune paille. Il y a un dégradé de couleur qui se fait, on le voit à l'œil, et ça détend un petit peu l'acier. Ça le rend moins cassant. Moins cassant. Et ça mais garde un petit peu la dureté. Moins. Ça garde aussi la dureté. Voilà, plus dur qu'avant la chauffe. Mais ça, c'est vraiment de l'art pratiquement. C'est de l'art parce qu'il faut sentir au dixième de seconde près. Ah oui, c'est vraiment à l'œil et on n'a aucun thermomètre pour faire ça. Ah, voilà. C'est tout est fait à l'œil, quoi. C'est vraiment l'expérience qui fait que. Et maintenant, il n'y a pas trop de. Tu te trompes pas trop quand même? Non, ça va. Ça m'arrive des fois. D'ailleurs, je fais des tests tous les mois. Je casse un couteau pour savoir où j'en suis dans le grain du couteau. Parce que ça se voit au grain? Voilà, ça se voit. Normalement, on ne doit pas voir le grain. Il doit être invisible. D'accord. Et si on voit le grain, c'est que là, il y a un problème de température, de forge. Et il faut se reprendre, il faut refaire des tests sur la cible.
Tous les outils sont forgés, même les marteaux, c'est dans des essieux de camion. Oh là 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 là, c'est super, t'as tout, tout fabriqué. Voilà, ça c'est pareil. Toi aussi, c'est toi qui l'as fait ça. Moi, aussi je l'ai fait avec mon maître de forge. Ah d'accord. Parce qu'il faut être deux et il y a une partie technique, tout seul, je ne serais pas arrivé. D'accord, d'accord. Ça. Donc c'est bien, en plus tu travailles avec tes outils. Ah oui, c'est très personnel, important, c'est intéressant. Forger ses outils. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Et tu forges quel genre de produit? C'est vraiment tout ce qui est lame, on va dire de la taillanderie. La taillanderie, c'est tout ce qui a trait à la forge, mais qui coupe. Donc tous les outils tranchants. Quoi. Voilà, c'est des outils tranchants. Voilà. Ça s'appelle la taillanderie. La taillanderie. Je travaille beaucoup avec les professionnels en fait, avec les cuisines, parce que je fais beaucoup de couteaux de cuisine de style japonais ou européen. Et il y a beaucoup de demandes dans les cuisines. Ah d'accord. Donc, et ils vont demander à un artisan et ils ne le trouvent pas dans l'industrie. Voilà, dans l'industrie, ils ne trouvent pas. Ce que tu fais, ça n'existe pas dans l'industrie. Non, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu apportes en plus de l'industrie? Ce ne sont pas les mêmes aciers en fait. Donc là, c'est un acier au carbone qui a un très grand pouvoir de coupe. Le tien. Voilà. Donc les ressorts de camions, de voitures, ça a un très grand pouvoir de coupe. Donc là, c'est une trempe à l'eau. Dans l'industrie, ils font casser quel genre d'acier? Alors, c'est plutôt de l'inox. L'inox, et ça coupe moins bien. Voilà, et c'est difficile à aiguiser. Et pourquoi ils ne le font pas avec de l'acier comme toi? Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense que c'est surtout parce que les clients aiment bien avoir des couteaux qui ne s'oxydent pas. Voilà, c'est une question d'oxydation. Voilà. Donc il y a un entretien un petit peu plus rigoureux à avoir. Il faut sécher son couteau après chaque utilisation. Ah, oui. Donc il faut vraiment prendre soin de son couteau. Ah d'accord, il faut prendre soin de son couteau, ça c'est bien ça. Ouais, ouais. Il y a des restaurateurs qui veulent avoir ce genre de produit. Voilà, l'avantage c'est qu'ils peuvent créer leur couteau, ils peuvent même le dessiner s'ils veulent, et ils ont tous un couteau unique. Et des fois je peux mettre les initiales de la personne. Mmh. Enfin. Puis il peut choisir son guillochage. Le guillochage, c'est les dessins que je fais derrière. Oh, dis donc. Donc voilà. Mmh. Ils peuvent choisir les essences du bois, je fais vraiment tout de A à Z. D'accord. Ben là, c'est des couteaux de style japonais. C'est un akiri, c'est pour les légumes. C'est fait uniquement pour les légumes. Donc, c'est un couteau assez fin et on peut ramasser les légumes avec. Oh, ça c'est très bien, oui. Ça, c'est un couteau de chef japonais. Donc, le travail de polissage, donc ça fait un poli miroir. Oh là, ah oui, en effet, on se voit dedans. C'est magnifique. Voilà, après ça c'est un petit couteau de camp, donc il est gros, mais on peut s'en servir pour dans la nature pour couper une branche ou pour... Ça c'est des couteaux, tout cela c'est des skinners, donc c'est des couteaux qui peuvent servir pour les chasseurs, pour dépecer à la chasse, mais ça peut servir aussi pour manger. Mm-hmm. Alors après ça c'est un couteau à huître. Mm. Voilà, alors ça c'est un bois exotique, j'en utilise pas beaucoup des bois exotiques. Alors ça c'est pour désépaissir le cuir, vraiment très très fin, on a
la finesse. Ah oui, elles sont magnifiques. Ça, c'est des couteaux d'office, de cuisine. Pour éplucher. Alors voilà, c'est le petit couteau de cuisine classique. D'accord. Donc, ça, un couteau de chasse. Des skinners encore. Mm-hmm. Voilà, ça c'est un couteau pour le jambon et puis le poisson. Pour le... Et alors il y a un peu de souplesse. Alors c'est l'avantage de cet acier ressort, c'est qu'il a de la souplesse quand même. Alors ça c'est des petits couteaux de tous les jours. Voilà, et ça c'est des cutters japonais, des kiridashi. Mm-hmm. Voilà, alors mon ami qui travaille le cuir utilise beaucoup cet outil. Donc c'est pour couper le cuir. Mm-hmm. Mais on peut s'en servir pour couper n'importe quoi, mm-hmm. C'est un cutter quoi. Et après tu mets la manche quand même. Non, c'est comme ça. Alors celui-là il reste comme ça. C'est un cutter comme ça. Voilà, parce que pour l'aiguiser, on l'aiguise que sur une face. Mm-hmm. Ah, il y a une émouture que d'une face et l'autre côté est complètement plat. D'accord. Donc là, ça c'est un cutter de droitier. Mmh. Donc s'il y a des gauchers, je le fais de l'autre côté. Quoi. D'accord.